Ça doit être le vent. Même que ça serait le Simoun, ça ne m'étonnerait pas. Cette fois, c'est pas le vent. Hein. À toi de jouer, Blanchot. Échec. Sacrebleu, espèce de malotru. Juste comme j'allais gagner la partie. Mon nom, c'est Nobé. Je suis porteur d'un message. Alors pourquoi tu ne pouvais pas rentrer par la porte au lieu de rentrer par la fenêtre, hein? Réponds, grand singe enturbanné. Quel est ce message et qui l'envoie? Vous devez me suivre, ordre de ma maîtresse. Ah, c'est donc ça. Sans doute ta maîtresse est-elle affligée d'un mari jaloux? Il faut que vous me suiviez. Thibault, un galant chevalier ne fait pas attendre une dame. Alors conduis-moi vers ta maîtresse. N'est pas du tout assis. J'ai si souvent entendu parler de votre valeur et de votre courage que je vous croyais beaucoup plus rude. Je suis navré de vous décevoir. Je n'ai pas dit que j'étais dessus. J'en veux à mes amis de ne pas m'avoir donné de vous une image plus exacte. Savez-vous qui je suis? Je sais que vous êtes belle. Je suis Sibylle, la fille de Fulk et la femme de Thierry d'Alsace. Alors, je ne devrais pas être ici. Je vous ai demandé de venir. J'ai besoin de vous. Disposez de moi. Vous êtes la fille du roi, commandez, j'obéirai. Je n'ai pas l'intention de commander quoi que ce soit. Seulement de vous demander un service. Il est accordé d'avance. Je veux que vous me conduisiez à mon mari. Il est dans son château de Rouge, dans la province d'Antioche. Je veux aller l'y rejoindre. Mais alors, vous n'avez pas besoin de moi. Votre père, je pense... Mon père ne veut pas que je m'y rende. Il dit que les chemins ne sont pas sûrs. En réalité, il préfère que je reste à la cour. Les routes, lorsqu'elles existent, sont mauvaises. Et la région est infestée de brigands, de turcs, d'égyptiens et de pillards. Mais je veux m'en aller. Aller rejoindre Thierry. Quand mon mari a décidé de partir pour la Terre Sainte, je l'ai supplié de m'emmener. Mais pas pour échanger un palais contre un autre ou me retrouver à une autre cour. Simplement parce que je voulais voir ces pays inconnus, voir de près toutes leurs merveilles. Voulez-vous m'y aider? Je le peux difficilement si votre père refuse de vous laisser voyager. Très bien, je lui parlerai. Nous partons pour Rouge demain matin. Alors, est-elle belle au moins? Très belle, oui. Nous partons à l'aube. Je savais que vous viendriez.
Je suis venu parce que vous me l'avez demandé et que je vous l'avais promis. C'est pas la peine de me dévisager. Je n'ai pas l'intention de me laisser dévorer. Que dirais-tu d'apprendre à jouer aux échecs? Hier soir, j'ai volé une rose dans votre jardin. Puis-je vous offrir celle-ci en échange? Quelle est belle! Où l'avez-vous trouvée? Dans le désert. Selon la légende, c'est dans le désert de Judée que se trouvait le paradis terrestre. Quand les anges armés de leurs épées flamboyantes arrivèrent pour en chasser Adam et Ève, le jardin prit feu et tout fut brûlé. Mais avant que tout soit tout à fait consumé, Dieu abaissa son regard et fut touché par la beauté de la rose. Alors il la changea en pierre, en témoignage de ce qui aurait pu être. Je ne saurais à laquelle donner ma préférence, à la rose ou à l'histoire si je l'y m'encantais. Je vous remercie pour les deux. Et voilà. Ma mère? Soyez la bienvenue, mon enfant. Venez. Thibault, vous me cherchez, pourquoi? Où est la princesse? Le roi m'envoie avec ordre de vous ramener à Jérusalem, vous et la princesse. La princesse n'est pas là, elle s'est enfuie. Où est la princesse? Je n'ai pas à vous répondre. Suivez-moi à Jérusalem. Je n'ai aucun ordre à recevoir de vous. Je rendrai compte au roi. Ici, votre Altesse. Je vous en prie, ne soyez pas fâché. À quoi bon demander à mon père? Je savais qu'il refuserait. Essayez de comprendre. Ma seule chance de ne pas encourir la colère du roi Foulk, c'est de vous amener saine et sauve à votre mari. Tâche qui ne sera pas facile. Aussi, il faudra m'obéir. Allez! Personne à l'horizon. Comment avez-vous pu deviner? Je ne suis pas étonné, tout le pays est infesté de Turcs. Je ne croyais tout de même pas qu'ils nous poursuivraient ainsi. Non, ce serait de la folie de continuer la route. Il faut faire demi-tour. Il ne s'agissait là que d'un détachement. Le gros de la troupe doit camper un petit peu plus loin. Blanchot, nous reprenons le chemin de Jérusalem. Nous laissons les bagages ici pour alléger les chevaux. Mais... nous partons à la tombée du jour. Vous m'avez promis de me conduire auprès de mon mari. Je n'aurais pas dû vous le promettre.
Je me demande ce qui m'y a incité. Pourquoi avez-vous si peur des Turcs? Je ne les crains pas. Ils n'oseraient toucher un cheveu de la fille de Foulk. Le fait d'être la fille du roi n'empêchera pas les Turcs de vous tuer si telle est leur intention. Dis donc, Thibault, est-ce ainsi que l'on parle à une belle dame, en particulier à une princesse? Je n'ai pas le temps de tenir des propos galants. Et le temps de tomber amoureux, tu l'as bien trouvé. Qu'est-ce que tu dis? Rien, j'ai rien dit. J'allège la monture. Oh, Nobé, tu l'as tué. Nobé te conduira auprès de ton mari. C'est lui qui te fera escorte. Viens voir. Ils sont passés par ici. Nous devrions déjà les avoir attrapés. Ils n'ont pas dû aller bien loin. Viens là-bas. Ils sont là. Nous n'allons pas faire demi-tour à présent, après avoir fait tout ce chemin. Nous camperons ici pour la nuit. Mais sans feu ni tente. Ne vous éloignez pas, Thibault. Pourquoi ne vous ai-je jamais vu encore? À la cour? Parce que c'est l'endroit où j'aime le moins aller de toute la Palestine. Vous préférez vos montagnes, le désert, les nomades? J'ai souvent remarqué chez les peuples du désert plus de vraie noblesse que chez certains barons. Oui. Combien d'entre eux ne pensent qu'à grandir leurs terres, à bâtir d'immenses châteaux? Avec des tours et des créneaux, ils demeurent comme des prisonniers le reste de leur vie. Thierry, mon époux, veut tout cela. Thibault, grâce à vous, mes yeux se sentent ouverts sur tant de beauté que je n'avais jamais vue. Bon, à présent, il faut dormir. Bonne nuit, Sibylle. Nous devons partir. Yeah.
Ces montagnes me font peur. Oui, mais elles nous cachent et nous protègent. Bon travail. À cheval, tous, vite! Lancez le timon! À présent, plus rien à redouter. Nous serons à Oudja dans moins de 2 jours.
Vous n'avez pas dit un mot de toute la journée. Demain, vous aurez fini votre voyage. Vous serez avec votre mari. Resterez-vous avec nous pendant quelques jours? Non. Je dois repartir pour Jérusalem. Dire à votre père que vous êtes bien arrivé. Ce voyage n'aurait pas dû l'entreprendre. Je ne suis plus sûre de rien. Je ne suis plus la même qu'avant, Thibault. Quand nous serons en vue du château, je vous quitterai. Voilà le château, nous arrivons. C'est le château de Thierry d'Alsace. Sibyl, il faut que je vous quitte. Non, restez. Ne serait-ce que pour quelques jours. Si je fléchis maintenant, je n'aurai plus jamais le courage de partir. Courageux comme vous l'êtes, de telles paroles de votre part sont vraiment un grand compliment. Adieu, Thibault. Adieu, Sibylle.